Et donc, nous nous retrouvons. Oula, pourquoi il n'y a plus de son? Pourquoi il y avait une petite musique au départ? Voilà. Hop, menu. Voilà, ok. Donc, Rusty Lake Paradise. Nouveau chapitre des jeux Rusty Lake, l'avant-dernier. Il restera après Rusty Lake Roots à faire. Et après, on aura vécu une grande aventure à travers les jeux Rusty Lake. Et avant que le son devienne à nouveau trop fort, on commence. I remember that day when I returned to Paradise, the island of my family. Since I had received the message of my mother's death, the blurred childhood memories started to become more clear. From that first glimpse of the island, I could feel my mother's presence. It's hard to forget someone who gave so much to remember. The first plague, water turns into blood. Wow. Ok. Ok. Une crevette. Mon cher Jacob, j'ai le grand regret, je dois t'informer du décès de ta mère. Nous te prions de revenir à Paradise, nous avons besoin de toi ici. Ton père. Ok. Oh la vache. Ouh la vache. Oh madame, qu'est-ce que tu avais dans le nez? Une sangsue. Oh l'horreur. Oh l'horreur. Mais, il n'y a pas de mais. Save the goat. Ok. Grandson, I'm sorry about your mother. Eh ben mamie, t'es dégueulasse. Bon, ok. Please, I'm thirsty.
C'est la famille Highlander. Ok, on va en savoir un peu plus sur les Highlander. Et donc, si on est ce garçon. J'ai un doute, Highlander. Ah, bordel. J'ai un doute. J'ai un doute, mais il me semble que Highlander, c'est le nom du lapin dans... Cube Escape. Le Cube Escape... Pas collection, l'autre. Paradoxe. Highlander, c'est le nom du lapin. C'est lui. C'est lui. Enfin, en tout cas, c'est lui le lapin meurtrier. On va jouer le rôle du lapin meurtrier et on va voir son background. Je pense que c'est ça. Et Caroline Highlander, donc notre mère. Du coup, c'est bien ça. Du coup, notre mère, notre père. Ça a l'air d'être nous. On a possiblement un grand... Ou alors ça, c'est les parents et c'est notre grand-père, hein, lui? Non, mon père Nicolas. Ah, ma pauvre mère Caroline. C'est moi il y a 15 ans. Ok, d'accord. Ma petite sœur Elisabeth. Oh, on a l'arbre chronologique qui nous manquait à un des jeux précédents dans Paradox. On sait pas... Ah. Mon oncle Gérard. Ok, donc ça c'est notre oncle. Ok, grand-mère Margaret, donc on a croisé. Et le petit frère David. Ok. Bon. Paradise has been suffering since your mother died. She prayed for your return. Please, help us, son. On sait pas de quoi elle est morte, par contre. Désolé pour l'avion qui passe. Paradise has been suffering since your mother died. Je regarde un petit peu tout ce qui pourrait m'échapper, hein. Avec la chèvre, je n'ai rien fait. Je peux pas traire la chèvre? Non. Je suis con.
C'était évident. Pourtant. Non. Le totem que je veux. Allez. Ok. On va pouvoir continuer notre chemin. Attendez, juste avant, ce qu'on va faire, au cas où, parce que je sens que j'en avoir besoin arriver un moment. Oh merde. Oh, qu'est-ce qu'on va avoir? Oh bordel! C'est ça le truc. Alors, on a des animaux, mais en fait, les animaux ont des identités réelles humaines, en fait. Ils ont un peu une double identité. C'est un petit peu. C'est très étrange, hein, comme univers. Mais en fait, on peut considérer que c'est un petit peu comme des loups-garous, sauf qu'ils se transforment pas forcément d'humain en loup. Il y en a un qui a une identité de sanglier, l'autre une identité de cerf, et ainsi de suite. Accepte notre sacrifice et donne-nous l'illumination. On va se calmer, jeu, hein. Oh là là, c'est. Ok, oh, bon. The second plague, frogs. Ah, bordel, on va faire les 7 plaies d'Égypte. T'es tonton? Ah non, hein? Mais t'as enculé? Salut, Sorette. Good to feel your presence again, brother. Je sais pas ce que c'est, une seringue ou. Ah. Faut que je clique sur les similaires, c'est ça? Ah zut, attendez, je suis désolé, un instant. Excusez-moi, il vient de se passer un truc. Un pote m'appelle pour lui dépanner pour un dépannage informatique, donc je l'aide. Et après, je lui envoie un petit fichier cadeau pour. Et là il va galérer avec son PC pour. Ouais, c'est pas méchant hein, ce que je lui ai fait, mais je lui ai envoyé un petit script qui est un peu dérangeant, on va dire, mais qui est pas qui, qui,
qui endommage pas le système, hein, mais qui... Il va bien galérer à le retirer. Enfin bref, voilà. Hop, ok, donc Madame voulait une flûte ou une seringue, je sais pas trop ce que c'est. Ok, attendez, je vérifie, hein, mon micro c'est ok, tout ça, ok, bon. Là on a une bougie, là on a un bol. Tiens, tu veux une grenouille, mamie? Ok, super. Ok, il faut 3 grenouilles. Bon. Ah, ici on a accès. D'accord, on a du bois là. On n'a pas accès là-bas. Ici on a une ceinture. Ah, ici on a une énigme. Celui du milieu ne tourne pas. Ok, du coup. C'est évident que ça me semble être ça. Et ceci. Ok, bon. On a déjà la... Je sais pas ce que c'est quoi. Une flûte des grenouilles. Ok. Une flûte des grenouilles. Ah. Alors, gauche, droite, gauche, droite, gauche, gauche. Gauche, droite. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, gauche, droite. Ok. Good to feel your presence again, brother. Okay. Un plaisir aussi, Sorette. Donc ça, ok. On va peut-être revenir encore en arrière. À mon avis. Ah. Oh. Okay. Merde.
Mais what? Oh putain donc. Ah! Mais non, je suis pas bon là. Bon, je suis obligé d'être celui-là. Après, j'arrive ici. C'est obligé d'être ça le départ. Ensuite, pour moi, c'est ça. Et du coup, je peux pas me mettre là. Donc, c'est pas bon. Parce que là, après, j'ai deux d'écart et je peux pas revenir. Du coup, c'est pas ça, c'est forcément ça. Ok. Logique. Le dernier était assez logique. Attendez, une minute. Ouais, non, c'est marqué Paradise, ok. Ok, bon, on a les trois grenouilles. Mamie va pouvoir nous faire la recette. Quoi, il en manque... Ah, il en manque une? Il fallait quatre grenouilles au total. Ok. Alors, il nous reste la ceinture. Le bol, je sais à quoi il va servir. Après, une ceinture, non. Attendez. Ah bon. Que... Ouais. Oh, t'es cringe, frérot. T'es cringe, frérot, franchement. Là là. L'autre con. Je suis désolé. Mon pote, il est en train de regarder le code source du script que je lui ai envoyé, du coup. Excusez-moi. Ah, bon, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une blague du genre. C'est extrêmement drôle. Tu bois? Ah bah oui, mais bien sûr, mais oui, mais bien sûr. Mais bien sûr. Et là, du coup, le bol. Soupe de grenouille. Ah là 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 là. Oui, c'est l'oncle hein, qui demandait la soupe de grenouille. Est-ce qu'il a réussi déjà à le retirer?
Attendez, attendez, attendez. Ok. Alors, excusez-moi. C'est juste que ça. Ah là 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 là, bonne blague. Ok, donc ça, de toute façon, il faudra le. Il faudra. Ok. Il y a ça. Ok. Ah oui, d'accord, ok. Ah, on va voir. Ok, d'accord. On va avoir quoi? On va avoir évidemment les mouches, les sauterelles. Le bétail qui meurt. Je sais plus ce qu'il y a en. La mort des nouveau-nés, je crois, ça fait partie des. Des plaies. Oui, dans la maison, il y avait un. Mince, non. Il y avait. Voilà, il y avait un coffre, c'est ça. Ah bon. Jacob, Jacob, mon premier enfant. Parce que c'est ça, hein. Jacob, Jacob, c'est entre guillemets le personnage qu'on incarne. Third plague, gnats and lice. Les moustiques et les poux. Ok. Il tape ta mouche. Ok, à mon avis, il va falloir ramener des mouches à cette plante. This is a big pile of shit. Lice are not welcome here. Ok, ça c'est pour. Ah bordel, ok d'accord. Ok, donc j'ai du miel. Ici. J'ai de l'argile. Du coup, ici. Alors. Ok. Ça c'est un. Ah, they're
everywhere. Ok, donc ça c'est ok. Ah, bon, ok. Ce que j'allais dire, on avait peut-être coupé les cheveux de l'oncle à la hache. Comme ça se fait. Il existe des coiffeurs à la hache. C'est impressionnant. Ah, tiens. T'as fait une boulette, sœurette. Truc. Il manque un truc que je dois faire bouffer à cette plante. Pensez qu'on allait pouvoir utiliser les mouches. Ah, ok. Ok, t'es là le petit frère extrêmement cringe. Ok, donc de toute façon ça c'était pas pouvait pas être ailleurs. La sève de boulot. My blood sugar level is very low today. Ok, bon. Ah, les moustiques. Ah, les moustiques. Et des baies. Ah, puis ça va devenir. Oh, vache. Oh, c'est horrible. Achève-moi ça. Achève-moi cette pauvre bête. Bon, qu'est-ce que c'est ça? Une bulbe de fleurs. Ah. Non, tu. Ah. Peut-être pas là, peut-être plus loin. Hop. Ici, on avait creusé. Non. Ah, bon, ok. Donc ça déjà, c'est pas mal. Et donc, c'est pas ici. Le bulbe de fleur, c'est pas ici. Bon. On verra. On verra. En tout cas, je vais pouvoir faire la deuxième. Alors. C'est ça. C'est ça. C'est ça. On va essayer directement comme ça alors. Non. C'est immonde ce truc. Non.
Bon, je sais pas trop en quoi ça m'aide, ça. Hein? Ah, j'ai cru que ça avait... Ok. Putain, on ouvre les moules à la hache, nous. On déconne zéro. Ok. Voilà, donc bulbe de fleurs et fleurs. Qui est vraiment immonde. Ah. Ah oui, il y avait ça aussi. Il y avait ça aussi, je sais pas ce que c'est. J'ai pas vu le... L'autre symbole en fait, il est en bout de parcours, non? Ok. Bon, on va essayer de trouver, hein. C'est pas les fleurs, c'est pas le... Ah, pourquoi il l'a pas accepté tout à l'heure? Bon. Rappelle-moi de me jamais couper les cheveux, ça aurait été. Bon. Ok. Et donc il manque des fleurs. Non mais sérieux, cet engin, là, enfin. Alors, j'ai... Oh, bordel. Ah, t'as qu'un. Non? Si, si, c'est un taquin. Ok. C'est une forme de taquin. Ok. Ok.
Donc c'est pas ici, c'est forcément là. Non, alors c'est pas là, donc il y a un morceau qui est là. Là, ok. Du coup... Bon, ça c'est pas compliqué. Hein. Ok, encore un bulbe. Ok. Et là, tu vas devenir un magnifique papillon. Hop là. Ok, ben, cube noir, et puis, ben, prochaine clé. Fourth plague flies. Encore. Bon, il y a un piaf là. Ok. Bon. Nous verrons cela. Ici, il y a rien. Et ici, y a rien. Putain, la blague. Ah non, c'est une mouche. Ok. Bon, du coup ici, non, il n'y a rien. Lapin. Et la musique qui devient soudainement trop forte. Oh. Oh, ça va être chiant. Non, c'est bon. Ah. Qu'est-ce que tu fais, la sœurette? Fear didn't make me blind.
Ok, je pense que le tad... Ouais, il se prend le tadpole. Alors, mémé, qu'est-ce que tu fais là? Go, find your brother. Va chercher ton frère. Bah, il s'est un peu envolé. Oh, d'accord. Comprendre. C'est simple en fait. Alors, ok, d'accord. Du coup, alors on va le faire monter. On va le faire tourner à gauche. Puis en bas. Tout droit. Puis le reste, on s'en tape. Non, faut obligatoirement qu'il passe par tous. Faut obligatoirement qu'il passe par tous. Par conséquent, on peut faire bah, ça et ça. Faire ça, on s'en tape. Hein. Merde. Mais c'est bon, ça garde en mémoire. Allez, vas-y. Donc, il doit utiliser toutes les coquilles. Faire ça comme ça. Ah merde. On peut faire ça comme... Oui, on peut faire ça comme ça. Touche pas à Bernard! Touche pas à Bernard! Touche pas à Bernard l'ermite. Frérot, t'es devenu cringe.
Find your brother. Fear didn't make me blind. Bon. Ah, le lapin. Le lapin. Bah, il était là. Ouais, il est là. Mais non, tu as pas tué le lapin. Mais non, le lapin. Méchant. T'es un méchant. Oh, pauvre lapin. Oh. Ah. Il manque un dernier truc. Avec le verre, à mon avis, il faut pêcher un truc. On avait un truc. Ah bah oui. Oh, pauvre bête. Oh, bordel. I need her memories. I need to find. On a vu un code comme ça? Oh mon Dieu! Ah ouais, mais vous recyclez des trucs comme ça entre les jeux, mais de ouf, quoi. Ok. Oh, le carnage. Donc là, j'ai un truc Flash Eagle 3. Ah, oh, bordel, ok, d'accord. Le S en premier. Ok, le S égale premier. Ça, c'est 3. C'est quoi ça? C'est pi? Bon. On a déjà quelques symboles. Ça, c'est 1. Ça, c'est 3. Et le symbole que j'avais vu, il n'y est pas, donc c'est pas... Ok.